Ah, Géraldine, on n'en a pas fini avec la pluie. Wow! Hey, le sens-tu le temps des fêtes qui approche? Fait beau. C'est de la pluie actuellement. Bon, on a des gouttelettes d'eau, quelques risques d'instabilité encore aujourd'hui. Je vous rassure, on ne prévoit pas d'averses aussi importantes qu'hier. Il n'y aura pas d'accumulation aujourd'hui, mais on a des gouttelettes d'eau qui, par endroits, se changent sous forme de flocons de neige, neige très fondante, parce qu'aujourd'hui, les températures sont à la baisse. Donc, vous le voyez à l'écran, il y a de l'instabilité un peu partout. Gouttelettes, mélange de précipitations, chute des températures. Ce matin, d'ailleurs, c'est encore très confortable. Hier, je vous rappelle qu'on a battu des records de chaleur, de nombreux records de chaleur pour un 18 décembre. Et pour plusieurs villes du Québec, on a entre autres enregistré des 14 et des 15 degrés, largement au-dessus du point de congélation, mais aussi largement au-dessus des valeurs saisonnières. Donc aujourd'hui, ce que vous voyez à l'écran, on y touche déjà. Ça va être encore plus froid cet après-midi. Refroidissement éolien environ dans les moins 18 à moins 15 pour plusieurs villes du Québec cet après-midi. Mais bref, il n'y aura pas d'accumulation. Et d'ailleurs, la pluie qui a tombé ne devrait pas geler aujourd'hui, même avec la chute des températures. Donc il y a au moins ça de positif, mais regardez le beau gros soleil qui nous attend dès demain. Dégagement graduel avec cet anticyclone qu'on va accueillir, qui va se poser au-dessus de l'ensemble du Québec. Il n'y aura donc pas de nuages à l'horizon avant plusieurs journées consécutives. On ne voit pas d'arrivée de système dépressionnaire. Donc, pas de neige, malheureusement, pour Noël, mais pas de pluie, heureusement quand même. Pas de tempête de tout genre, du soleil mur à mur et des températures, bon, oui, plus froides, évidemment, si on compare à ce qu'on a eu hier, mais hier, c'était très anormal. Donc, on retrouve nos normales saisonnières. On s'habille en conséquence. Là, il va falloir chercher dans notre tête là, une panoplie d'idées pour jouer dehors. Il n'y aura pas de neige au cours des prochains jours, mais il va faire beau. Donc, il va falloir en profiter à l'extérieur, bien s'habiller. En vue de Noël, 24 et 25 décembre, bon, un Noël plutôt vert ou plutôt brun par endroit. Mais bon, voilà. Il faut faire avec ce qu'on a. Merci, Géraldine. À tantôt. À tantôt.